Alors là, on est en haut du grand glacier qui commence par un effondrement hein, et qui a été découvert en 59 par les créateurs du Spéoclub de Savoie. On est ici aux alentours de 1600-1700 mètres d'altitude et la température moyenne annuelle est positive. Alors comment on trouve de la glace et de la neige en permanence? Eh bien, c'est parce que la configuration de la cavité sert de piège à froid et de piège à neige et l'air froid stocké l'hiver suffit à permettre l'accumulation de neige qui se transforme petit à petit en glace comme un glacier de surface. Globalement, la moyenne sur l'année est passée au-dessus de zéro à l'intérieur de la cavité, au-dessus de 0 degré. Aujourd'hui, on peut dire que l'équilibre est rompu. Le bilan est négatif en termes de conservation de la glace, on peut dire. J'ai quelques points dans la cavité où je fais des mesures ponctuelles comme ça. Puis je les compare tous les 6 mois. Au printemps, c'est l'endroit le plus froid de la cavité. Là, on a des températures négatives, tout est givré. C'est l'effet du courant d'air rentrant qui rentrait tout l'hiver dans ce sens-là. Ouais. Regarde Serge, regarde, c'est alimenté par là. Ah oui. C'est par là que ça arrive d'en haut. Et là, ça recharge en glace ici. Là, on voit bien que ça fait un dôme voilà, par rapport. Non, puis on l'a connu le passage à plat. Voilà. C'est ça. Ouais. Voilà, 1m81. 1m81. La dernière mesure, c'était 1m63 il y a un an. Ah donc ouais. Il y a 18 cm en moins. C'est grâce à votre travail que nous, on peut expliquer aux gens, aux touristes, aux randonneurs, aux promeneurs, aux élus, à tous ceux qu'on côtoie, et ben, ce qui se passe sous terre, ce qui est invisible à nos yeux, mais ce qui se passe vraiment. Il y a de la baisse en été, il n'y a pas de recharge en hiver. C'est pas bon signe pour que ça perdure très longtemps. Là, j'ai une photo de ce fameux lac en 1995. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est bien continu, bien plan. Et on voit un petit becquet là, on voit un petit becquet dépasser. Alors ce petit becquet, il est là-haut. Là, on le voit maintenant là. Fabien l'éclaire, et on voit qu'on a perdu, avec le fond, on a perdu entre 2,50 m et 3 m d'épaisseur. Voilà, donc, et puis des bois sont apparus au fil de la fonte, des bois taillés à la hache. Il y a de l'eau qui subsiste un peu là, voilà. Donc le lac a changé de volume, d'épaisseur, et puis voilà. Les bois, ils n'étaient pas du tout visibles là. Ah, rien, pas visible du tout. Ah ouais. C'était une surprise petit à petit. Donc ils étaient pris dans la glace. Pris dans la glace, c'est apparu petit à petit, ouais. D'accord, c'est intéressant du coup de les dater, ouais. Ouais. Alors, ça fond. Si on m'avait dit un jour qu'on ferait floc-floc sur ce plancher de glace. Alors on descendait par là. C'est vraiment le mot, ouais. Ouais, c'est rare, c'est émouvant, c'est des instants rares. Incroyable, ça fait un dôme inversé, la dôme inversé, là ça a une grosse nappe qui est sous les lacs. Mais ce qui est fou, c'est ces mouvements. C'est comme des excentriques de glace, quoi. Il y en a dans tous les sens. On a ça. Alors, dans les... Regarde très bien, il y a du bois fossile en profondeur, là. On va aller voir, juste sur la gauche. Ah oui, je vois. Ah oui, excellent. C'est un gros tronc. Ça, je sais pas ce qu'on va pouvoir en faire. Voilà. Donc ben ça c'est un fragment prélevé dans ce tronc, pris dans la glace, qui va nous permettre, j'espère, d'avoir une date intéressante
On va partir au laboratoire de datation au radiocarbone, sans doute à Lyon. Je suis en train de me prendre dans la glace. C'est bon Serge, tu peux venir. Libre. Ah ben voilà, un morceau de bois qui ne s'attendait pas à revoir un jour la lumière, je pense.